J'appelle maintenant le grand Gérard. Bonsoir, c'est Gérard Depardieu, ainsi soit-il. Bon, alors, on me donne le rôle de Sarkozy, moi je veux bien le faire. Moi je peux tout jouer, moi. Alors comme ça, c'est la crise, hein. En France, tout le monde gueule. Ça rigole, ça picole au bistrot, ça manifeste. Ah, ça pour gueuler, il y a du monde. Hein? Alors que quoi? On n'est pas bien, là? En France, hein? Notre cinéma! Il n'est pas beau, notre cinéma, hein? Amélie Poulain. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Hein? Bon, c'est vrai qu'elle pèse pas lourd, la petite mère. Mais bon, quand il y en a Poulain, il y en a pour l'autre. Hein? Humour! Humour, mon vieux! Et Christian Clavier, mon pote Christian Clavier. Il n'est pas drôle, Christian Clavier? Bon, d'accord, il n'est pas drôle. Sauf en Corse. Ah bah là-bas, il fait marrer tout le monde, les visiteurs. Hein? Et la bouffe? On mange pas bien en France? Hein? On a encore des bons vins, puis du bon fromage qui pue, là. Ça sent bon par là. Ça parfume, ça t'embaume, ça exhale, ça pique le nez, ça prend la bouche, ça colle au poil quand tu t'en mets partout sur les tétons et sur le gland pour amuser un vieil ami de passage. Eh ben oui, mon vieux. Parce qu'un fromage, ça se mange pas, ça se déguste. C'est puissant comme un coup de trique. Oh, toi. En France, tout le monde parle de changer de régime, mais pas moi. En France, c'est vrai, tout le monde parle de changer de régime, là. Et puis alors, les politiques s'y mettent. Hein. Par exemple, à gauche, alors ils disent, ça y est, les Français sont pauvres. Mais les pauvres, il y en a toujours eu, c'est pas nouveau. Hein. C'est comme si tu disais, l'hiver, il fait froid dans la rue. Oh, la bonne blague. Hein. Et l'été, je parie qu'il fait chaud, non hein. Ben quoi, une bonne blague sur les pauvres, ça mange pas de pain hein. Mais à droite, c'est pas mieux. Réformer. Ils ont que ce mot-là à la bouche, réformer. Hein. Puis ils ont le sens de la formule, la rupture tranquille. Pourquoi pas le licenciement joyeux? Le coup de boule qui fait pas mal. Hein? Tiens, prends ça. C'est pour ton bien, mon vieux. Hein, ça va mieux, là. Hein? Non, t'es bien, là. Ne me fais pas rire, j'ai l'élève qui gerce. Et les gonzesses? Elles sont pas belles, nos gonzesses, en France? Hein? Regarde ça, dans Paris, il y a des petits culs tous les 100 mètres. Mais bon, il n'y a pas que des petits culs, il y a aussi des gros culs. Mais qu'est-ce que... T'aimes pas ça, toi, les gros culs hein? Un petit, un gros, un cul, c'est un cul. Hein? Tu l'attrapes, comme ça, tu le prends dans tes bras, tu le caresses, tu le cajoles, tu le consoles, tu lui dis des poèmes, tu lui chantes une chanson, puis à la fin, bah, tu l'enfiles. Bah oui, mon vieux, parce que ça se termine toujours comme ça, avec un cul, toujours. Hein? Et tous ces vieux là qui se plaignent tout le temps de la mort et qui en finissent pas de vivre. Hein? Ils sont tout coulants, tout moisis, tout rabougris, là, mais ils s'accrochent hein, en faisant chier les jeunes avec leurs ongles trop longs là. Et ben même les vieux en France ils gueulent. On n'a pas assez d'infirmières pour les pisser. On a peur du noir. On veut pas mourir. Seulement pour mourir, il n'y a pas besoin d'être vieux. Hein? Moi, j'en connaissais un qui était tout jeune. Et pourtant, il n'est plus là. Il s'appelait Guillaume. C'était mon fils. Salut, vieux. Retenu, comme d'habitude.